coucher avec un homme n'est pas un péché. Allez, Dieu, c'est Esaü qui a dit ça. Parce que le péché, par la définition, c'est la désobéissance à la loi divine. La loi divine dans les 10 commandements que Moïse a pris pour descendre. Il n'y a pas coucher avec un homme. C'est 10. Donne-moi coucher un homme qui est dedans. Là-bas. Donc, quand les gens couchent. Les... T'avais entendu ça? Oh! Attends, ça va pas, non? Bon. Laissons-le d'abord aller jusqu'au bout de sa pensée. Parce que là, ma foute banjo matanga. Ma foute banjo matanga déjà. Écoutons. Les hommes couchent entre eux. Ne les mettez pas dans notre affaire de péché. Nous, on pêche. Pour eux, là, c'est pas un péché. On dit, tu ne mentiras point. Quand je suis dans la voiture. Alors, papa, tu es où? Non, ma fille, c'est Oka. Entends ici, fais Benjéville. C'est un mensonge. J'ai péché. Quand tu insultes ta mère, tu honoreras ton père et ta mère. C'est un péché. Quand tu tues un homme, tu ne tueras point. C'est un péché. Le péché, c'est ce que Dieu a prévu. C'est que vous oubliez. Il y a des choses que Dieu a prévues. Il y a des choses que Dieu n'a jamais prévues. L'homme même a inventé. Donc Dieu est venu un matin. Il a vu que ça existe. Qui comprend ce qu'il dit? Il n'a pas prévu ça. Lui, il a prévu. Tu as ta femme. Chacun a sa femme. C'est une vie où tout le monde est casé. Peut-être que tu quittes chez toi pour aller voler la femme de quelqu'un. Il dit ça, on appelle ça adultère. C'est ça, il a prévu. Mais le coton garçon, main rouge à lèvres. Dieu a pensé à tout. Le coton garçon dit, je suis né dans mon corps, je me sens femme. Dieu a dit au commencement, il a créé un homme à côté. Une femme à côté. Femme qui se sent homme. Ou homme qui se sent femme. Lui, il ne sait pas où s'est quitté. Voilà pourquoi il n'a pas parlé de ça. Il n'a même pas prévu ça dans ses 10 commandements. Parce que ce n'est pas lui qui a fait ça. Le péché concerne la loi de sa création. Ce qu'il a créé, il s'est limité à là. Il dit, quand tu sors de ce carnaval, on appelle ça péché. L'homme qui veut l'homme, est-ce que c'est lui qui a créé? Pourquoi les gens disent, Dieu m'a créé comme ça? Dieu ne peut jamais, 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 jamais te créer. Ça ne va pas. Ça ne va pas dans ta tête. Il va te créer comme ça. Comment Dieu fait pour te créer comme ça? Il dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Il n'a pas appelé ça péché. Il dit, c'est une abomination. Yes. Enlevez ça dans les péchés. Ils ont dépassé le péché. Jésus n'est pas mort pour eux. Jésus est mort pour le péché. Laissons dans notre affaire de eux.